Ok, ça devrait être mieux. Est-ce que vous m'entendez sur le chat? Dites-moi, les amis. Voilà, parce que j'ai un petit peu oublié de lancer un bidule. Mais normalement, on est bien. C'est l'épisode 6 de Sydney Hearthstone. J'ai bien l'impression que ça fonctionne. Puisque vous ne répondez point, je vais aller regarder en live si j'ai du retour. Parce que c'est toujours bien d'avoir du retour. Attention. Est-ce que je m'entends? Oui, c'est bon, c'est tombé en marche. Donc ce soir, on va parler d'une série de films que vous avez peut-être. Salut Ophtalmo, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que vous. Voilà. Est-ce que vous avez découvert quelle était la série de films? Voilà, mais je te remercie. Que je vous ai proposé autour de ces indices-là. Eh bien, le suspense va bientôt prendre fin. Exactement, c'est Harry Potter, tu l'as découvert. C'est tout à fait ça. En la personne tadaa, de Indiana Jones. Et d'ailleurs, je vais chercher le chapeau. Je vais chercher le chapeau. Voilà. Parce que serait Indiana Jones sans le chapeau? Je vous le demande. Donc, chapeau. Hop, attention, chapeau, pas facile à mettre. Avec le casque. Voilà, le chapeau. Bien joué, ça. Oh, le chapeau est un peu mal mis. Je vais essayer de le mettre un peu mieux. Voilà, très bien. Donc, on va parler ce soir d'Indiana Jones. Il va y avoir plein d'informations géniales. Il va y avoir du quiz. Il va y avoir du sondage. Il va y avoir des games de Hearthstone. Et tout ça, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Ça démarre. Attention, parce que lui, il est un peu fort avec sa musique. Là, voilà, on va baisser un petit peu. Bim. Alors, déjà, on va commencer. Salut Jennifer! Eh oui, le chapeau, putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Ça me manquait. On va lancer un petit peu ce bras de fer. Qu'est-ce que c'est que ce bras de fer? Très très bonne musique, on se régale. Déjà, rien que ça, on a gagné notre soirée. Je vais même vous mettre hop sur les games. Puisque j'ai lancé le bras de fer, c'est dingue. Alors, Râle d'Agonie 1594. Qu'est-ce que c'est 1594? On ne sait pas. Versus Brûlé 1594. Ok, Râle d'Agonie. Donc, garder peut-être l'arme en écrium, selon que ce qu'on a dans la main. D'un serviteur allié aléatoire. Ok, on va faire ça. Elle est presque aussi bien que celle de Ulysse 31. Bien joué. Il fallait que je la mette, Ulysse 31. Putain, il faut que j'y pense à ça. Ok, donc. Je vais quand même couper un petit peu, ou baisser un petit peu la musique, parce qu'elle est sympa, mais elle est super forte. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cet excellent film? J'ai mis le truc à vous dire. Donc, bien entendu, vous le savez, le premier épisode, c'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc déjà, dans le titre, nous n'avons pas la dénomination Indiana Jones, ce qui est assez étonnant. Voilà. Est-ce que c'est Seigneur de la Mort ici? Ah oui, non, on relance pas la musique là, calme-toi la musique. Alors, du coup, je vais remettre un petit peu la musique du jeu. Hop. Non, ça va certainement pas être Seigneur de la Mort parce que le Râle d'Agonie est pas fou. Je prends Bob Goblin? C'est merdique. Ouais, je vais prendre ça, écoute. Ok. Donc oui, en anglais, c'est Raiders of the Lost Ark. Les Raiders, c'est ceux qui vont les piller. C'est plus les pilleurs de l'Arche Perdue que les aventuriers de l'Arche Perdue. C'est un peu... voilà. Donc, on imagine que du coup, le rôle titre n'est pas celui d'Indiana Jones, mais plutôt celui des méchants nazis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À la fin de votre tour, on invoque un machin. Ok. Est-ce que je pièce ici? Je pièce ça, non c'est pas fou ça. C'est pas fou, j'ai pas grand chose à faire là, j'aime pas. Tour d'après peut-être qu'on fera pilleur de tombe. Ok. Ouais. On va rester comme ça. Ok, donc Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Le film est sorti. C'est le même titre en québécois, je sais pas du tout. Je t'avoue que je sais pas. Le film est sorti en 1981, dis donc, et je ne l'ai pas vu au cinéma, c'est la tristesse. Parce que j'ai vu les autres cinémas, et c'était bien. Nous avons Chris. Je pense que je vais pièce le pilleur de tombe. Longime ancien, ouais. Après, je peux faire... Ouais, non, chante pignon, non, c'est pas fou, c'est pas fou. Non, je vais pièce le pilleur de tombe aussi. Voilà, merci bien.
Parce que l'autre, il veut me faire piocher, je le vois. Et c'est... Ah oui, brûler, c'est pour brûler des cartes, certainement. Il va falloir que je fasse attention avec mes conneries. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces aventures de l'Arche perdue en 80? Alors, vous avez peut-être noté... Donc, c'est le début des aventures d'Indiana Jones. On découvre Marion, qui est une ancienne conquête. Et donc, il va aller essayer de récupérer l'Arche perdue, l'Arche d'Alliance. Et à un moment, il trouve le Puits des âmes et... Certes, peut-être que vous le savez parce que ça se sait un petit peu. Certains hiéroglyphes dans le Puits des âmes, puisque ça se passe en Égypte, d'accord. Eh bien, ils sont à l'effigie de R2-D2 et C-3PO, les droïdes de la Guerre des Étoiles. Donc, dans Indiana Jones en 81, on a déjà des allusions à R2-D2 et C-3PO. Et c'est assez rigolo parce que c'est vraiment... c'est assez proche, du premier de la Guerre des Étoiles, le premier épisode. Et donc vous savez que ça a été réalisé par Steven Spielberg et que George Lucas n'était pas loin du tout. Les références à la Guerre des Étoiles sont légion, voire même pléthore. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est pas fou. Chante-pignon. Je pense que je vais taper là. Ok. Ça, c'est pas dégueu. On peut peut-être ici chante-pignon into bombe goblin. Ça, on va déjà mettre là pour voir ce que ça dit. Parce que derrière, j'ai un fongimancien qui va dire tiens, ça va être super si tu as beaucoup de boards. Donc, je pense faire ça. Je pense faire ça comme ça. Salut Dardra. Donc voilà, et il y a un autre truc, l'avion au début du film, son immatriculation c'est OB-CPO qui est une référence directe à Obi-Wan Kenobi et C-3PO, voilà. Donc ça je ne l'ai pas inventé, ni vu, je l'ai lu parce que j'ai préparé un petit peu l'émission, donc c'était en 1981. Nous savons bien entendu que Indiana Jones est joué par Harrison Ford pour l'instant. Harrison Ford, il a fait quelques films qui ne sont pas passés totalement inaperçus. Un que vous avez peut-être raté, qui est un de ses premiers films, c'est American Graffiti. American Graffiti. Je vous invite à le voir parce que il y a plein d'acteurs en devenir là-dedans. C'est un film qui est de, je sais plus, 78, 79. peut-être. Au moins, toi, tu prépares tes streams. Ouais, c'est sûr que c'est pas comme, voilà. Ces personnes-là, tu vois, mal intentionnées à la spleen et autres. Alors, déclenche deux fois le râle d'agonie d'un serviteur. Ouais. Est-ce que j'ai envie de déclencher deux fois le râle d'agonie d'un serviteur? Je pense que je vais mettre un petit fongimancien ici, là. Ouais, on va fongimancienner. Mes râles d'agonie sont pas fous, hein. Sklung, donc ça, c'est pas dégueu. On va aller piocher ça, là. Certainement. Ok. On va peut-être aller chercher ça. Et je pense aller chercher ça. Pas trop envie de taper pour l'instant. On va voir ce que ça donne. On va rester comme ça. Et oui, bien sûr, voilà. Non, mais c'est vrai. Et je peux te dire que ça prend du temps à préparer Cinerstone, mais bon. C'est toujours sympa. Donc, American Graffiti, un film très sympathique. Il y a, comment il s'appelle déjà, Ron Howard dedans qui joue Richie Cunningham dans Happy Days et qui est devenu ensuite un très grand réalisateur hollywoodien et qui joue un rôle très proche de justement de celui-ci, de Richie Cunningham. Donc voyez-le, American Graffiti, c'est pas mal. Ensuite, bien entendu, bon, alors il a fait un truc qui s'appelle Star Wars, je sais pas si vous en avez entendu parler. Il est possible qu'on fasse un Cinerstone un jour dessus, mais c'est pas prévu pour le prochain en tout cas. Ensuite, il a fait Blade Runner. Blade Runner, personnellement, je n'ai pas trouvé ça fou. Ni le premier, ni le deuxième. Le premier, même à l'époque, j'ai eu du mal à aller au bout. Pas fou. Ensuite, il a fait un film un peu plus... comment dire. Alors, je passe seulement les films que je trouve les plus intéressants. Il a fait 8000 des films. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a tué mon bestiau? Happy Debs, ouais, moi aussi j'adorais ça, c'était drôlement bien. Embusqué. Ouais, pas mal. Alors, est-ce que je déclenche deux fois un râle d'agonie ici? J'ai rien de bien.
Et qu'est-ce que c'est que cette tasse du casse sirpilleur alors que j'ai pas du tout de liker. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Et j'ai rien pour gérer cette, le ripop là. Hein. C'est pas fou. Hein. Pourquoi moi j'ai pas ça là, cette 2-2 là. Moi j'ai envie d'avoir ça. Alors j'ai peur un peu du contre-sort ou pas. Regarde, est-ce que le contre-sort a été testé. Contre-sort n'a pas été testé. Je pense que je vais faire un Chris du coup. Pour éviter que ça contre-sorte, ok. Oh. Si j'avais su que j'avais Maligos, j'aurais peut-être pas Chris à poil. Du coup, je vais faire ça. Et je pense attaquer tout de suite maintenant avec ça. En espérant que ce soit pas une balise des flammes. Mais normalement, ça n'existait pas à l'époque. Puisque je crois avoir compris que c'était un deck hop, qui fut usité avec Fonzie, exactement. Arthur Fonzarelli, de son vrai nom. Donc oui, il a joué aussi dans Witness. Witness qui était un film un peu policier. Où il allait dans la communauté des Amish. Et c'était plutôt bien. Avec Kelly McGillis ou quelque chose comme ça, je crois. En rôle féminin. Plutôt pas mal. Horrible tonneau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais oui, putain, c'est pas bien du tout, ça, j'avais pas vu. On m'empêche de jouer, là. Ensuite, il a fait un film qui était drôlement sympa, qui est passé assez inaperçu, mais que je vous conseille fortement, et qui est également avec Brad Pitt. Ça s'appelle Ennemi rapproché. Ça parle de... un petit peu de l'IRA, des Irlandais à New York et tout ça. C'est vraiment sympa. Ça c'est cool. Il a fait également un film qui s'appelle Apparence, que je vous conseille aussi, avec Michel Pfeiffer, où il joue le rôle d'un professeur, si je me rappelle bien. Très très bien, et sa femme elle est un peu... Salut Luc, comment vas-tu? Hé, l'Ukrainien, c'est... non, je croyais que tu avais changé ton pseudo, mais non. Non mais attends, il n'y a pas un moment où il faut qu'il arrête avec ces trucs-là. Comment il fait pour avoir des cartes comme ça alors que moi j'ai des trucs moisis? Qu'est-ce que c'est que ces merdes qu'on me donne à moi? Parce que lui, il a Gozrilla et des trucs comme ça, et pas moi. Ouais. C'est pas fou, là. Hein. On est bien d'accord qu'en termes de pas fou, on est plutôt plutôt pas mal. Moi, je vais être obligé de faire ça. Alors que j'ai pas envie. Mais bon. Pas cool, pas cool. Donc, que dis-je? Je disais que Apparence, c'était bien. C'était avec Michel Pfeiffer et qu'il faut le voir. C'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons bien entendu Steven Spielberg lui-même qui a réalisé Les Aventuriers de l'Arche Perdue et l'ensemble des Indiana Jones. Et il était étroitement lié avec George Lucas, comme vous le savez certainement. Vos cartes coûtent 5. Eh oui, mais je peux pas tuer avec Maligos, là. File-moi des trucs. Oh là là, j'ai déjà perdu 18 là sur le board là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette merde hein? Carte de 5. Bon, c'est de la merde. Allez, on va capituler, ça c'est vraiment de la merde. Alors, Steven Spielberg, il a réalisé un premier film que vous... Victoire du deck, victoire de l'adversaire. Non. Vous obtenez une copie du deck adverse, pourquoi pas. Il a lancé un film que je pense être un de ses premiers, ou peut-être même son premier, qui s'appelle Duel, que vous connaissez peut-être pas, et qui était pas... Oui, Luc, effectivement, tu avais trouvé. Qui est pas fou, hein, qui est pas fou. Du moins, je pense que ça a vieilli. C'est l'histoire d'un routier qui se retrouve pourchassé par un routier, quelqu'un qui est dans sa voiture, quoi, un mec qui conduit, quoi, un conducteur. Dernier film avec Omar Sy. Dernier film. Ah non, le avec le chien. Comment c'était déjà? L'appel de la forêt, non. Mais ça me tente. Ça me tente tout ce qui est un peu dans la forêt et dans la montagne. Donc ça sera vu, mais ce sera certainement du Divix, ça. Plutôt que cinéma. Où on filme nous? Donc voilà, Duel. C'est pas dingue, donc c'est un automobiliste voilà, qui est pourchassé par un routier. Bon. Sa vie, c'est un peu série B maintenant. Ensuite, il y a Les Dents de la Mer. Alors, Les Dents de la Mer, c'est très très bon. Et ce film-là me vaut une phobie un peu de la mer, parce que je l'ai vu quand j'étais tout minot. Voilà, parce que mes parents sont complètement débiles. Voilà, Les Dents de la Mer, non mais c'est pas grave, on va montrer ça à un enfant de 5 ans, bien sûr.
Donc voilà, j'ai tout ce qui est dans l'eau, moi ça me plaît pas bien. Et de pas savoir ce qu'il y a dessous, tu vois. C'est non. Tu me feras pas baigner dans la mer la nuit, par exemple. Ça n'arrivera jamais. Ensuite, il y a eu E.T. E.T. qui était plutôt sympathique comme film. Je pense que c'est là où vraiment Steven Spielberg a révélé un petit peu son génie au vu au-dessus de tous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, très bien, très bien. Peur de la mer pour un Marseillais, c'est normal. Ben, c'est oui, du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Si vous avez un nain. Ok, et ça? Ok. Je peux jouer un truc pour pas cher là, mais j'ai pas envie. Je vais faire ça là, ici. Très bien. Ok, très bien. Ensuite, il y a eu la liste de Schindler, je crois que c'était en 93. Donc là, c'était le grand succès mélodramatique et tout ça. Ok. Histoire vraie et tout. Voilà. Oscar, tu vois, voilà. Jurassic Park, que vous connaissez. Minority Report, qui. C'est pas mon préféré, mais bon, c'est la première fois, je crois, la seule fois que Tom Cruise joue pour Spielberg. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc nous avons parlé du fait que Harrison Ford était Indiana Jones et j'avais justement. L'intention de vous proposer, hop, un petit sondage. Parce que on a vu dans le 4 que il y avait quand même des. Alors bougez pas, il faut que je fasse ça. Hop là. Il y avait des velléités de remplacement. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Piocher une carte, découvre. Très envie de faire ça. Ok. Et j'ai très envie de découvrir. Entendez mon appel. Si vous avez joué nanana, Rampeur de Goudron. Ah, j'aime bien le dégât des sorts plus X, plus X, plus X là. Parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par être pas mal. Ok, très bien. Indiana Jones quoi? Il n'y en a eu que 3. Alors, donc. Hop. Je vais vous faire le petit sondage. Donc, la question est, quel acteur serait le meilleur pour vous? Pour vous, pour reprendre le rôle, et je vais vous proposer hop, des possibilités. Les voilà, donc nous avons en 1 le Chia le Bœuf là, je sais pas trop comment il s'appelle, hein. Pois Pois, enfin Pois Pois, vous me direz ce que vous en pensez. Alors attends, je joue mon tour quand même, qu'est-ce qui se passe ici? 7, ça c'est pas fou, je vais faire ça et ça. Attends, je vais déjà les face, on va voir ce que ça dit. C'est un piège explosif. Ok. Je ping ici. Je joue le deuxième truc. Ok. Ah, le ping, il était féroce. J'ai pris un piège de fléchette. Ensuite, nous avons Chris Pratt. Chris Pratt qui joue des rôles assez similaires, notamment dans Jurassic Park. Enfin, Jurassic World, exactement. Ah oui, ça vote direct là. Ensuite, nous avons Bradley Cooper. Wipa, il a la stature. Et nous avons le petit dernier qui est Daniel Radcliffe, dis donc. Et je ne l'ai pas mis au hasard celui-ci. Parce que. Bah, il y a deux. Alors, attention. Découvre un sort et lance sur des cibles aléatoires. Waouh. Allez, pour le beau geste, on va découvrir un sort et le lancer sur des cibles aléatoires. Hop. Vous inquiétez pas. Hein. Alors attendez, je vous cache l'image du sondage 2 secondes. Waouh, météore, un serviteur, mais ça peut être un des serviteurs. Non, on va prendre pouvoir de la création ici. Vas-y, fais voir ce que tu donnes, papa. Waouh. Et il fait quoi, lui? Obtenez une bête quand il meurt. Ok. Bon, ça va mourir. Du coup, je le mets là, ça. Ouais, je vais le mettre là. Ok, on va faire ça comme ça. Donc je vais remettre l'image du sondage. Parce que voilà, il y a des. Comment dire, des rumeurs, plus que des rumeurs, il a même annoncé lui-même, Daniel Radcliffe, qu'il serait sur le prochain Indiana Jones. Je ne sais pas dans quel rôle, mais il est prévu qu'il y soit. Voilà, les amis. Ok. Mais c'est quand que j'ai des dégâts? C'est effrayant quand même. Donnez-moi des dégâts, monsieur. Gepetto, il pioche combien lui? Il pioche 2, j'ai 8, ça fait 7. Allez, allons-y, Gepetto. Gepettoton. Ouais. Super.
On se régale, hein. Il a été bien structuré ce deck-là, ça fait plaisir. Je vais vous enlever l'image du sondage maintenant. Et donc vous me dites que c'est... ben vous êtes assez partagé. Assez partagé. Moi personnellement, je verrais bien le... comment il s'appelle notre ami Chris Pratt. Chris Pratt, je trouve qu'il a quelque chose. Mais Shia LaBeouf, il me... Ouais. Il m'inspire pas trop, ce mec-là. Voilà, on va faire ça, écoute. Je sais pas si on va la gagner celle-là, mais ce sera pas grâce au deck en tout cas. Et en plus, il y a ce truc qui me tue mes bestioles là. Alors ensuite, qu'avons-nous? Donc, ça on l'a dit. Ah oui, donc il y a un acteur qui s'appelle John Rhys Davies, que vous connaissez. Que vous connaissez parce qu'on en a déjà parlé dans Cinéhearthstone, parce qu'il a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Et oui, c'est... ah merde, je sais plus comment il s'appelle. Sala, c'est le rôle de Sala. C'est l'ami qui retrouve en Égypte, justement. Et donc, il joue dans Le Seigneur des Anneaux, et vous le savez peut-être, donc, il joue le rôle de Gimli. C'est lui qui fait le nain, alors que normalement, il est tout. Il est géant, hein, il est, je sais pas comment il fait, mais il fait plus de 1,85 m en tout cas. Et il joue le nain dans Le Seigneur des Anneaux, donc c'est assez marrant. Il joue dans la série Sliders aussi, que vous connaissez peut-être. Et aussi dans Alan Quatermain et les Mines du Roi Salomon. Donc, il était un peu. Dans les films d'aventure, c'est assez rigolo de voir ça. Donc son nom, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le mettre ici. C'est... Ah ben voilà. Donc, voilà. On a gagné cette game, je ne sais pas comment. Mais c'était pas fou, hein. Victoire du deck, d'accord. Ok. Et on me donne un truc, un paquet, super. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que... on va faire comme d'habitude, on va continuer à essayer d'avoir les trucs en héroïque. On a pu avancer un petit peu la dernière fois. Mais pas suffisamment, donc on va aller voir un peu de ce côté-là. Tiens, on n'a même pas essayé celui-là, allez, c'est parti. Je sais même pas ce que c'est, donc je vais prendre le druide. Hein. Ouais, druide quête, est-ce que c'est bien druide quête contre leur truc, là? Ça peut, on va essayer de toute façon. Alors ensuite, qui avons-nous? Donc il joue ça. Ah, bien entendu, hein, dans l'épisode 3, nous aurons Sean Connery, qui est joué dans les James Bond, dans Highlander. Je pense que ça a vieilli, ça. C'est à l'époque, ça a été vraiment un film très intéressant, mais bon, c'est un peu morflé. Si vous l'avez pas vu, voyez À la poursuite d'Octobre Rouge. Très sympathique, un film avec des sous-marins dedans. Ok, on va faire ça comme ça. Donc ça vaut le coup. Et Le Nom de la Rose. Alors si vous n'avez pas vu Le Nom de la Rose, voilà, vous arrêtez tout après le stream, bien entendu, et vous allez voir Le Nom de la Rose parce que ça, c'est vraiment cool, tiré du film, du livre, pardon. D'Umberto Eco. Umberto Eco qui a également écrit, entre autres choses, Le Pendule de Foucault, que je vous déconseille fortement. Ne lisez pas Le Pendule de Foucault, ou alors c'est juste avant de vous pendre. C'est hyper chiant. Hyper chiant. Hyper chiant. Ensuite, il joue dans Les Incorruptibles. Si vous n'avez pas vu Les Incorruptibles, allez voir Les Incorruptibles avec Kevin Costner. Très, très bon. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il joue que tout, lui, là. Ben, on va faire ça. Les joyaux des sables. Hop. Sean Connery, le plus beau vieux du monde et Le Nom de la Rose. Effectivement. Plus beau vieux du monde après moi. Ensuite, il y a Rock. Rock qui est... il joue avec... comment il s'appelle déjà ce mec-là là ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Hein. Il est là, oui, il est là, dans... mais si... Le mec qui joue dans Rock déjà. Et qui joue dans Sailor et Lula aussi. Voilà. Et c'est quelqu'un de bien. Alors attendez, bougez pas. Qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je lâche ce truc là? Non, on va faire juste ça tranquillement. Comment il s'appelle déjà là? Putain, je vais être obligé de le chercher hein, à cause de vous. Alors comment il s'appelle déjà? Sailor et Lula. Sailor et Lula. Hop. Il s'appelle pas. Pourquoi il s'appelle pas? C'est là, Lula. Nicolas Cage, voilà. Avec Nicolas Cage, donc, Rock. T'as pas trop aimé? Ah, j'ai bien aimé, moi. J'ai pas trop aimé avec De Niro. Non, non, c'est pas avec De Niro, c'est avec Nicolas Cage, du coup. Je suis en train de me faire défoncer, j'ai bien l'impression. En tout cas, si c'est pas ça, c'est bien imité. Je vais hurler férocement ici, je pense que c'est pas mal.
C'est pas mal. Il y a également. Alors attends, faut que je retrouve son nom aussi. Comment il s'appelle déjà? Celui qui fait ce mec-là. Hop, réalisateur, on s'en fout. Ed Harris. Ed Harris dedans qui joue aussi dans la. Dans la série Westworld, pour ceux qui connaissent. Ok. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour lâcher ça. Into ça. Ed Harris, très bien. Très bien. Non, mais vraiment, Rock, je trouve ça pas mal. Alors ensuite, dans le dernier opus, qui est le 4, comme, qui était presque, oui. Vous n'êtes pas sans le savoir, il y a Cate Blanchett qui a également joué dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Galadriel, là, vous le savez. Et dans Thor Ragnarok, si vous n'avez pas vu Thor Ragnarok, donc c'est le numéro 3 de Thor, vous arrêtez tout après le stream et vous allez voir Thor Ragnarok, c'est très drôle. Dedans, il y a également... comment il s'appelle déjà ? Goldblum ? Jeff Goldblum, qui joue notamment dans La Mouche. Et qui est à se pisser dessus de rire. Hein. C'est très très bon. 4 et 3, 7. Je vais m'en prendre plein ma tétasse encore. Hein. La puissance, elle prend... Mais j'ai bien l'impression que je suis obligé de faire ça. Bon, je vais prendre les 7, tant pis, on va bien voir. Il y a Hemsworth. Oui, bah oui, bien entendu. Il est si musclé. C'est sûr. Et il y a donc Shia LaBeouf. Moi, je l'appelle LaBeouf comme voilà, le mec de, qui jouait précédemment à l'Olympique de Marseille. Quoi. Ça, ça fait 4 et 2. 4 et 2. Ça fait 4 et 2. Bon, on va faire ça pour piocher, tant pis. On va voir ce que ça dit. On a re-ça, mais je pense qu'on est obligé de faire ça ici. Je vais conserver encore mon... ça fera 6, ouais, je vais quand même garder ma druidesse cachée. Salut Maelstrom, bien joué, t'es arrivé... Oh là là là, t'es, je m'en prends plein ma tête. T'es arrivé avant le quiz, c'est cool. Donc, Shia LaBeouf, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait de notable, j'ai noté Transformers. Et Fury, Fury, un film de guerre avec notamment Brad Pitt également, qui est pas foufou, mais qui a le mérite d'exister. Je vais faire ça ici. Paf. Repaf. Scénarius, mais je peux pas le jouer. Fais voir, ça le met à 5, je vais faire ça. Je vais surgir de façon oasisienne. Et je vais également puissance du fauvé. Donc là, je pense que ça va être ça, ça, ça. Je vais me prendre un de ces Cthulhu de l'espace, ça va me calmer ça. Et après cette game, je vais vous proposer de faire le premier extrait de la soirée. Parce qu'il y en a des extraits sympas à voir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour l'instant, en attendant. Donc, Indiana Jones, tu t'es éclaté, tu sors d'un tournage. Mais oui, mais écoute, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, ami. Si tu veux gagner, en plus, tu sais que Ophtalmo, lui, il est fort. Et que Jennifer, elle est au taquet aussi. Donc voilà, il faut y mettre du tien un moment. Tu ne peux pas non plus tout le temps dire « Ah ouais, mais moi, je fais des tournages. » C'est fini, les tournages. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, c'est sûr que ça va, là. Je pense qu'on va faire ça pour mettre 8 face. Bam ! Si il n'a pas son Cthulhu, peut-être qu'on ne décède pas dans d'atroces souffrances. En plus, c'est l'heure du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non. Mais faut pas faire ça. Sur un match de CN éprouvant. Eh ben voilà. Vous avez gagné d'ailleurs, j'ai pas vu les résultats finalement. Bah écoute, nous allons faire ça. On va pas s'emmerder trop. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On espère tanker un peu. On va pas gérer cette merde là, on va aller directement face. Oui, c'était super tendu 2, hein. Bien joué. Bien joué. Qu'est-ce qu'ils nous volent? Ils nous volent ça, ok, c'est un peu emmerdant, mais bon, c'est pas grave. Donc, Indiana Jones 2 qui s'appelle enfin Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le temple maudit. En 1984, donc dedans, il y a un dénommé Jonathan K. Quand
qui est 2001. Et il joue également dans les Goonies. Donc c'est intéressant de le noter. Là, nous allons faire ça. Je pense que je prends ce trade. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder ça? Je prends ce trade. Hey, y a moyen de faire quelque chose hein, si par hasard je pioche un peu des cartes intéressantes et que lui ne récupère pas son Cthulhu. M'ont interdit de quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont interdit hein? Ah, il fait chier. Bon, nourrir est bien ici. Donc 1984. Alors celui-là, je suis content parce que je suis. Ça va être bien ça maintenant. Je suis allé le voir au cinéma. Lui. De toute façon. Non, il faut que je mette des dégâts ici. Je peux pas me permettre d'aller chercher cette merde là. Ça sert à rien, il faut que je finisse la partie avant qu'il touche son toon. Ma vie, je vous en fais don. Ouais, d'accord. Ça c'est pas très grave. Et donc ouais, on va voir aussi des extraits de Indiana Jones et le Temple Maudit. Et ensuite en 1989, enfin la suite Indiana Jones et la dernière croisade avec Sean Connery. Et là c'est cool. Et dedans, nous avons aussi. Alors attends. Deux secondes, hein. J'essaie de voir si je peux gagner. Ok, il sera notre fin lui. Donc nous allons nourrir ici. Hein. Nourrissons. Ok. Un truc bien s'il te plaît. Ça c'est bien. Ok, ensuite. Ok. J'aurais bien Maligos. Possible ou pas? Non. Ok. Le balayage qui fait pas plaisir ici. Qu'est-ce que j'en fais de ce balayage de merde là? Ça, ça va aller là. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais balayer là gentiment. Et je vais me foutre de ces deux trucs là. Il fait 25 son. Son Cthulhu. 25. Ouais, non, je tank. Hein. Je tank à mort là. Les 25. D'accord. Pourquoi pas. Donc, oui, dans Indiana Jones, c'est la dernière croyance. Les Goonies. Et oui, bah oui. C'était pas mal, les Goonies. Et donc, on en a déjà parlé des Goonies dans cette émission. Pourquoi? Parce que nous avons Mickey des Goonies, qui n'est autre que Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez? Tout est lié. Tout est lié. Alors. Météore, je prends. Je prends Météore. Bah on a gagné sur Météore ou pas? La magie vous soumettra. Après peut-être que y a un truc qui dit oui mais tu as gagné mais tu as pas gagné. C'est possible aussi. Hein. J'aimerais pas parce que ça a été un peu dur. De par mon déclin, s'élèvent les dieux. Ouais. Très anciens. Ok, et ça fait quoi? Je sais pas ce qu'elle fait mais elle a pas l'air de mourir. Hein. Aïe 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 aïe. Oh bordel, il se passe quoi là? C'est quoi toutes ces merdes? Un fiche de voix, un adversaire aléatoire? Ouais, mais je m'attendais pas à ça moi. J'avais pas prévu comme casse-couille. Ok, il me reste quoi? Il me reste 4 cartes. Je vais me faire défoncer. Il me reste 4 cartes, oh là là là. Tra, je peux pas faire ça. Endormez-vous. Si j'avais su, j'aurais gardé le balayage. Pas cool. Pas cool du tout, bon c'est pas grave. Alors, on fume nous. Donc oui, dans Indiana Jones et la dernière croisade, nous avons River Phoenix, qui est un jeune homme qui joue le rôle d'Indiana Jones quand il est jeune. Et il a également joué dans Stand By Me. Un film basé sur une nouvelle de Stephen King que je vous invite à voir également. Qui à mon avis est un peu vieilli mais qui doit rester toujours, toujours intéressant à regarder. Ok, ça c'est pas complètement dégueulasse. Donc ça c'est oui.
On a. On a ce Zephyrs là qui peut être intéressant ici. Hein. Je peux avoir une consécration? Si je l'aide un peu avec ça. Je vais l'aider un peu. Allez, donne la consécration à papa. Bien joué, consécration. Bim et rebim. Sachant que j'ai Rosé Freeze derrière, si possible. Très bien. Donc voilà, malheureusement, il est mort d'une overdose à 23 ans, le River Phoenix. Donc bon, on ne le verra plus. Et ensuite, il y a eu Indiana Jones beaucoup plus tard, 2008. Donc l'écart 1989-2008, il est un peu épais, quoi. On est sur presque 20 ans. Indiana Jones et le royaume de cristal. Ok. Il donne quoi, lui, à la Kabim? Me donne le létal, là, quand même, si je demande gentiment, non? Curie. Curie, c'est bien. Je peux avoir la pyro pour 10, mais je pense que Fury fait plus que 10. Vas-y! Ça fait combien? On y va, on compte après. Hein. Voilà, voilà, et voilà. Cette fois, il est mort ou pas? Yes! Putain, on l'a eu, con. Ça, c'est bon, ça. Et du coup, on va pouvoir mettre le premier extrait. Et ça, c'est pas mal. Donc, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008. Mais tout ceci nous approche plutôt, hop, de... Hop là, de ce premier extrait que j'avais pour vous, j'appuie ici et il arrive. Donc là, on est dans l'intro des aventuriers de l'Arche perdue et ça, c'est cool. Salut Nizi, ça vaut le coup d'acheter la dernière aventure. Oui, il y a beaucoup de cartes très importantes dedans. Je te le conseille. Et salut Clams, vous arrivez au bon moment. Regarde ça. Donc ils avaient, enfin, Steven Spielberg avait envie d'avoir des intros dans ces Indiana Jones, un peu comme dans les James Bond. Donc on a des scènes d'intro qui sont pas directement en relation avec le reste du scénario, mais qui sont très dans l'action, très impressionnantes, et donc ça en fait partie. Oui, c'est très important, Nizi, il faut y aller, sans aucun problème. Il y a de très très bonnes cartes. Et la méta est composée en grande partie, je dirais, à 60% des cartes qui proviennent dans la dernière aventure, donc n'hésite pas. En plus de ça, elles seront disponibles pendant très très longtemps, puisque elles sont arrivées juste avant la rotation qui aura lieu en avril. Non, là déjà le sac il est pas assez lourd, ça se voit. Le truc est en or massif, putain, n'en enlève pas. Il en enlève. Il en enlève. Surtout le scarabée si vous jouez du jeu de 4, ouais. Olé. Non mais tu as également le dragon putride si tu veux jouer chasseur-dragon. Tu as également le capitaine touriste si tu veux jouer... guerrier Galakrond. Il y a le nouveau héros Reno si tu veux jouer Mage Highlander. C'est bon, voilà. Adios, señor. Qu'est-ce qu'il est pas gentil. Olé! Le chapeau, le chapeau. En anglais, c'est Boom Pistol. Cette ressemblance, merci beaucoup. Je crois que tout est dans le chapeau. Et la barbe. Estupido.
de tourner 8 fois la scène du rocher. C'était pas mal du tout. Pas mal du tout ce premier extrait. Il y en aura d'autres, vous le savez. Hop là, celui-là, il est fait. Donc, je pense que je vais lancer une deuxième game et on va commencer à faire le petit quiz parce que je sais que vous êtes là pour ça. Le quiz, c'est cool. Le quiz, on le veut. On adore ça. Donc, on va lancer les premières questions. Alors, bougez pas. Après, on verra un deuxième extrait, bien sûr. Ah non, non, d'abord, j'avais ça pour vous. J'avais un petit sondage numéro 2 qui est... Donc, on a vu Harrison Ford dans ses œuvres, là. Et je voulais vous poser cette question, qui est une question polémique. Polémique, parce qu'on est comme ça dans Cine Hearthstone. On ose tout. C'est quel est le rôle le plus mythique d'Harrison Ford? Est-ce que c'est... Hop, bougez pas, je vous affiche les images. C'est pas celle-là, mais elles arrivent dans un futur proche. Est-ce que c'est Han Solo en 1? Est-ce que c'est Indiana Jones en 2? Est-ce que c'est Rick Deckard dans Blade Runner? Ou est-ce que c'est le colonel dans Apocalypse Now? Qu'est-ce que vous en pensez? 1, 2, 3 ou 4, vous pouvez voter directement dans le chat. Et pour ma part, c'est 2, quoi, clairement. Pour ma part, c'est 2, c'est Indiana Jones. C'est Indiana Jones, on peut pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Alors, Nizi, tu appuies sur 1 si tu veux dire Han Solo. 1, entrée. Comme ça, ça sera compté directement dans le sondage. Bien joué. Vous êtes... Ah, voilà, Clams. Toi, tu sais, toi. Tu sais, t'es un vrai. On remarque une absence totale de Maelstrom, qui est certainement un claquage du doigt. Après son tournage, parce que monsieur fait des tournages. Les cinq s'agenouilleront devant l'élu. Des tournages. On est comment, du coup? Eh ben oui, on est plus sur du Indiana Jones que sur du Han Solo, hein. C'est vrai que les deux sont mythiques, mais... Indiana Jones, quoi. Indiana Jones. C'est... Voilà, c'est... On peut pas faire autrement. On peut pas. Bon, je vois qu'on est tous d'accord, c'est cool. À part, bon, Jennifer et Nizi, ils dorment. Mais oui, ils dorment. Après, il va dire, ah, j'ai encore perdu le quiz. Ben oui. Quel mauvais... Bon, allez, je vais vous lancer les premières questions du quiz. Bougez pas. Alors attention, parce que là, je vous ai fait un quiz difficile. J'ai vu que vous étiez au taquet la semaine dernière, donc là, c'est terminé. On n'est plus sur les trucs. Ah oui, comment s'appelle... quel est le nom de famille de Jones, Indiana... Non, voilà. Non, c'est pas ça. Non, Indiana Jones, c'est le rôle principal. C'est pas faux. Alors, première question du quiz. Quel premier épisode d'une série culte a été réalisé par Steven Spielberg? Vous avez le choix entre... Twilight Zone, Columbo, Twilight Zone en français c'est la quatrième dimension, Columbo, Creepshow ou Magnum, et je vais noter les scores. Donc allez-y, vous pouvez commencer. Alors, moi je dois répondre à quelqu'un. Ben là je vais faire ça, Justin. Ophtalmo, il lance 4 Magnum. Alors je compte sur vous, Nizi, Clams, Jennifer et Maelstrom s'il n'est pas décédé. Pour essayer de trouver... Bien entendu, c'est pas la peine d'aller chercher sur Internet. Hein. On est entre amis, c'est pour rigoler, quoi. Jennifer qui lance 3 Creepshow. On a Nizi qui tente un Columbo. Il a mis quoi là-dessus? Il se met en sommeil pendant 3 tours. Ouais. Et là, je suis à combien sur la quête? Et c'est le dernier tour. Ok. Clams qui met 4. Ok. Eh bien, alors, vous serez étonné d'apprendre certainement que... Hop là. La bonne réponse n'est autre que Columbo. Steven Spielberg a réalisé le premier épisode de Columbo. What the fuck? Voilà. Et donc, nous avons une seule bonne réponse, je pense, c'est vrai. Qui c'est qui nous a dit Columbo 2? Ah non, on a Nizi aussi. Ah non. Mais non, il n'y a que Nizi. Il n'y a pas que, Clam, c'était à la question d'avant. Et oui, what the fuck, je suis assez d'accord avec ça. Donc c'est Nizi qui a un point. Je le note, Nizi, 2 points. Un point. Hop. Ensuite,
Je vais essayer de réaliser mon... Oh là là là, putain, mais on est mal parti avec tout ça. On va me prendre plein ma tétasse, à moi. Et 6. Que faire? Je vais mettre ça, hein. Je vais mettre ça. Tant que les eaux subsistent. Ok. Alors, question numéro 2. Hop. Votre pitoyable. Nul ne rivalise avec le géniteur. Question numéro 2. De quel film français, et oui, un film français, s'est inspiré Steven Spielberg pour le premier film? Ta-ta-ta. Hop. On va passer donc à l'autre question. Alors, est-ce que c'est... Hop là, c'est parti. Est-ce que c'est L'Homme de Rio? Est-ce que c'est 100 000 dollars au soleil? Est-ce que c'est L'Aventura et 2V? Ou est-ce que c'est Le Guépard? Vous avez 4 heures. Hop là. C'est ici. Alors, je pense que j'ai déjà perdu, là. Ouais, c'est perdu, celle-là. Je vais la retenter. Recommencer, c'est pas mal. Ophtalmo qui se lance ce soir, il se lance en premier. Hein. Il attend pas que, voilà, qu'on lui dise quoi que ce soit. On a du Guépard côté Ophtalmo et côté Jennifer. Oula, c'est pas mal, ça, l'innervation. Votre temps est révolu. Je vais le garder. Les 5 s'agenouilleront devant l'élu. Alors, Clem, c'est Nizi. On attend vos réponses. Hein. Nizi se lance sur 4 également. On est sur le Guépard. Bonjour. Avec le concours des ténèbres, sa fureur ailée. Alors, Clams, qu'est-ce que tu nous dis? On est tous suspendus à tes lèvres. Du coup, ça doit pendre. Il te reste à peu près 1h30 pour répondre. Oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Contempler les joyaux des sables. Très bien. Clams qui dit 1. Ouh, Clams, j'espère que tu n'es pas allé chercher sur internet. Parce que ce serait pas beau de ta part, mais c'est effectivement ça. Bravo. Tout le monde te copie, Ophtalmo, et ils ont pas raison. Parce que c'était bien L'Homme de Rio, la bonne réponse. C'est L'Homme de Rio. Effectivement, avec Jean-Paul Belmondo. Il s'inspirait de ça, pour le premier épisode. Ce film, film d'aventure, assez sympa. Si vous l'avez pas vu, voyez-le, hein, c'est toujours un jouet. De toute façon, avec Jean-Paul Belmondo, c'est toujours marrant. Ok, alors attends, je vais essayer de faire mon tour là. Il se passe quoi? Bah il se passe rien, je vais mettre ça en fait. Je vais mettre ça pour piocher deux. Hein. Désolé, tu es dans le métro. Mais le mec est dans le métro. Ne fais pas ça. Pas de problème, pas de problème. Donc te voilà avec un point. Olé, question numéro 2, check. Alors, on a dit tout à l'heure que... Salah a été... comment c'était son nom déjà? John Rhys-Davies qui a joué aussi Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Mais qui devait avoir ce rôle en premier lieu? Quel est l'acteur qui devait l'avoir? Est-ce que c'était là, Dustin Hoffman, Danny Trejo, Danny DeVito ou Tom Selleck? Danny Trejo, attends, il faut que je me rappelle en quoi il joue déjà. Là, hop. Non, quoi il joue. Ah oui, c'est celui qui joue Machete. Danny DeVito, vous le connaissez notamment dans Jumeaux avec Schwarzenegger. Et Tom Selleck, c'est l'acteur de la série Magnum, la première du nom. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 5 pour 5. Je peux faire ça, je peux faire ça. Ça, c'est mieux, ça. Je vais chercher les deux. Nous savons qu'il est ici. Ah, tais-toi avec ta bouche. Il nous attend. 2, 3, et ça. Mais ouais, j'ai pas de colère ici, c'est relou. Ouais, je vais faire ça. Alors, on a du 2, Danny Trejo pour Nizik, Clams qui nous lance un Tom Selleck. Et il nous attend qui? Qui c'est qui nous attend? Il dit ça, lui. Tu sèches, il y en a, je sais, 100%, mais pas eux. Alors, tu tentes le 2. Ok. Alors, on a 6 ici, c'est pas fou. On va piocher un peu. Ok, on va piocher un peu.
Et je pense qu'on va se fendre de cette puissance du fauve, hein. C'est pas dégueu. Alors, est-ce que tout le monde a répondu? On a du Dizzy, Clams... oui, c'est bon, vous avez tous répondu. Donc, vous serez étonné d'apprendre que c'était Danny DeVito qui devait jouer ce rôle de Salah. Danny DeVito qui est pas totalement du type égyptien, mais bon, c'était lui. Et en plus, il fait la moitié de l'autre en taille. Ah! Peut-être que ça se fera partie d'une des prochaines questions, finalement. C'est possible. Peut-être que tu viens de donner des points à tes adversaires. Dis ça, je dis rien. Je pense que je vais faire ça ici. Ok. Mais que je vais faire une druidesse. J'accepte de prendre les 5. Pas envie, là, de la mettre à portée. Donc, bah, personne n'a marqué sur cette question-là. La question numéro 3. Voici la question numéro 4. Il y en a 15 en tout, si vous l'avez oublié. Je vous le dis. Et je peux vous dire que après la question numéro 5, on aura un prochain extrait. Alors, lequel de ces acteurs n'a pas été l'un des premiers choix pour incarner Indiana Jones? Ah, justement, on y vient tout de suite, tu vois. Est-ce que c'est Bill Murray, Tom Selleck, Nick Nolte ou David Hasselhoff? Donc, je rappelle, lequel de ces acteurs n'a pas été l'un des premiers choix pour incarner Indiana Jones? Donc, c'est-à-dire qu'il y en a trois là-dedans qui ont été pressentis pour jouer le rôle, et un qui n'a pas du tout été pressenti, et c'est moi qui l'ai inventé. Alors, quand allons-nous là? J'ai bien l'impression que c'est nourrir ici. Quoique j'ai un scénario qui est pas complètement dégueu. Mais nourrir est quand même pas mal. Ça, c'est pas fou. Alors, on a Nizi qui nous dit Bill Murray. Jennifer qui nous dit David Hasselhoff. Ouh, j'ai Météore là. J'ai Météore. Ici, ça fait 5 et 2. Je pense que je vais lâcher ça ici. Ah, quoique, si je lâche quelque chose ici, j'ai plus de cible pour après. À tous les serviteurs. Non, je pense que ici, c'est ça qui va partir. Parce qu'après, je peux plus les cibler sinon. Et là, je vais faire ça. Et tout ça. On va voir ça. Tu peux pas faire K2000 Indiana Jones, c'est sûr. Alors, donc, vous avez tous répondu, et je peux vous dire qu'il y a des bonnes réponses, parce que c'est effectivement David Hasselhoff. Donc, même Bill Murray a été l'un des prétendants pour le rôle. En tout cas, le réalisateur a pensé à lui, et ainsi que Nick Nolte, qui a plutôt morflé, donc c'était mieux que ce soit pas lui. Alors, donc, qui a eu bon? Tous ceux qui ont dit 4, ça veut dire Jennifer, Ophthalmo et Clams. Ou Clams qui repasse devant. Hop là. Génie G. Un point. Ophthalmo, un point. Qui retrouve un peu de sa superbe. Ok, donc là, justement, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pourra faire balayage sur ça. On va balayager là. Squeak, squeak. Ok. Et je pense qu'on va faire ça là. Ok. On va rester juste un peu comme ça. Très bien. Donc je vous ai promis un extrait. Je vais vous le faire tout de suite. Bougez pas. On va voir encore Indiana Jones. Ah non, cette fois-ci ça va être Indiana Jones et le Temple Maudit. Hop là, attention, c'est parti. Moi je vais... ah mais je suis pas obligé de continuer la game en fait, c'est ça qui est bon, c'est que... on est tranquille dans la game. Comment c'est pour faire play? C'est maintenant? C'est parti. Donc ça c'est... ça fait partie de l'intro, la grande et superbe intro de Indiana Jones et le Temple Maudit. L'intro est géniale. Thank you.
Monsieur, réveillez-vous. Vous l'appelez Dr. Jones, chérie. D'accord, Dr. Jones. Dr. Jones, je vous en prie. On est déjà arrivé ? Très bien. Non, non. C'est lui, Xanderit. Et oui, le chapeau. Indiana Jones, ce soir. Les pilotes. C'est pas vrai. Tiens. Ils sont partis. Vous avez piloté ce truc-là ? Non ? Et vous ? Ça doit être assez facile. Altimètre, très bien. Anémomètre, très bien. Carburant. 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 Compliqué. Nous avons un petit problème. Oui, c'est cool. C'est tellement de l'aventure non-stop, c'est trop fort. C'est vrai qu'il s'appelle Willy. Et voilà, il se passe des choses. Et ça, c'est l'intro du film, donc vous avez compris un petit peu. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On se régale. On se régale. Alors attendez, il faut que je joue mon tour et ensuite je vous fais le prochain, la prochaine question. Alors, il se dit quoi ici ? On a un balayage qui est pas dégueu. Parce que là, on décède si on balaye pas. Donc je peux balayer into... je peux nourrir balayer ? Nourrir balayer. Est-ce que nourrir je le garderai pas pour après Isera ? Peut-être que oui. Hein. C'est là que nous trouverons. Je pense que je vais scarabée balayer du coup. Scarabée balayer. Ça fait 5 et 2. 5 et 2, donc on va faire ça là, on va se foutre de ce truc là. Et on va aller chercher... Rien. On a encore un météore. Je crois. On a encore un météore, donc on va rester comme ça. Alors, question suivante. Question suivante. Alors, ça c'est très intéressant ça. Mais ça, à mon avis, Ophtalmo, il doit le savoir. Parce que je connais un peu ce mec-là. Et c'est un mec qui devrait savoir ça. Hop. Bougez pas. Quelle est la raison, la vraie raison, du combat tronqué entre Indiana Jones et l'homme au sabre dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue ? Donc il est là, le mec. Et Indiana Jones, bim. Il l'abat directement avec son flingue. Est-ce que c'est parce que Harrison Ford avait la gastro. Un figurant avait fait le geste d'abattre le méchant et ça avait inspiré Spielberg. Est-ce que Harrison Ford n'avait pas pu apprendre la chorégraphie du combat? D'ailleurs, je me suis trompé dans la chorégraphie, là, comme vous le voyez. Est-ce que c'est... Oh, tellement il est au taquet.
Est-ce que c'est l'acteur au sabre avait proféré des menaces réelles envers Harrison Ford? Et donc, bim, il a fait, ah ouais, puisque ça, on l'a bas. Vous avez 4 heures. Oula, ça sent le décès tout ça. Ça sent le décès tout ça. Donc là, il y a 10, il y a 20, quoi. Il y a 20, je peux m'en sortir avec Scénarius. Comment sortir avec Scénarius? On va peut-être Scénarius ici. Ça donne plus 2, plus 2. Du coup, je peux aller chercher la 7-7. Certainement. Ah non, c'est 6-8. Donc, je vais rester comme ça. Et prochain tour, peut-être que je re-scénarius. Ok, on temporise. Nizi est sur 3. Il est sur... Il n'a pas pu apprendre la chorégraphie du combat. Ok. Clams aussi. Ophtalmo. Et je crois que nous avons nos 4 joueurs. Et c'est bien... Ophtalmo et Jennifer qui ont raison. Et toute l'équipe du tournage, ils ont tourné en... Je suis pas mort là quand même. Ils ont tourné en Tunisie et ils ont attrapé la tourista. Autrement dit, la dysenterie, comme le dit tout à fait judicieusement Jennifer. Exactement. Donc nous avons un point pour Ophtalmo et un point pour Jennifer. Bravo. Et du coup, bah, il se sentait pas de faire tous des trucs avec le sabre, voyez-vous. Donc il a fait, hop là, on va raccourcir la scène, si ça vous dérange pas trop. Et ça a donné une scène culte du cinéma international, c'est assez marrant. Alors ensuite, à quelle bande dessinée est empruntée la scène d'intro des aventuriers de l'Arche perdue? Bougez pas. Hop. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Tintin? Est-ce que c'est Black Panther? Est-ce que c'est Picsou? Est-ce que c'est Raon? Donc, la scène d'intro des aventuriers de l'Arche perdue, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans le premier extrait. Ok. C'est pas gagné tout ça. Hein. On est loin même hein, d'avoir gagné. Je me demande si c'est pas Zéphyr, si. C'est parchemins anciens. C'est là que nous trouverons les réponses. Est-ce que je Zéphyr ici? Ou est-ce que je re-scénarius? Je peux re-scénarius. Hein. Re-scénarius, ça me plaît bien. Je vais faire ça. Oh, ce météore est sympa. 6 plus 3. Waouh. Le météore est vraiment bien ici. Je fais 6 plus 3, donc je tue tout cela, tout cela, tout cela. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, salut Clams, à bientôt. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Donc, Ophtalmo lance 1. Il dit que c'est Tintin, Jennifer et Nizi lance 4, c'est Raon. Eh bien, je vous donne la réponse dans un futur proche. Je vais... Hop, je vais tout d'abord faire ça. Je vais aller chercher ces deux trucs. Je vais aller chercher tous les deux. Ok. Eh bien, vous saurez que c'est Picsou, dis donc. C'est dans la bande à Picsou qu'il a récupéré ça. Donc, il y a un épisode... Oula. Je croyais qu'il y avait... Ah, mais non, je suis pas décédé, ça. Il y a un épisode où, avec Donald et tous ses amis, ils vont dans un temple Inca et il y a plein de y a plein de pièges dans ce temple Inca et c'est là qu'il a récupéré l'idée. Donc personne ne marque ce point. Bon alors attendez, parce que là, c'est pas gagné pour moi. C'est pas gagné. Je me demande, je pense que je vais faire Oasis caché Into Scénarius ici. Je pense que c'est pas dégueu. Après, je peux colère. Colère. Un peu de double colère. Là, là. Et ensuite, Oasis caché. Peut-être mieux. Ok, colère ici, vas-y. Qu'est-ce que tu donnes avec cette colère? Ah, il me reste plus que 2 cartes, putain. Je vais mourir à la fatigue comme un con. Je vais mourir à la fatigue comme un connard. C'est mieux ça. Hein. Ça c'est mieux. J'ai
J'hésite à Oasis caché, mais je pense que j'ai envie d'aller chercher ça plutôt. Je peux faire ça comme ça. Ça commence à rentrer des premiers dégâts. Et peut-être que Zephyrus nous donnera un létal. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites Raon, tout ça. Ah ben oui, mais on l'a dit, voilà. Donc on va se mettre sur la prochaine question. Ah oui, tiens, j'ai plus de détails. Picsou. Attends, alors c'est le nom du bidule, c'est The Price of Pizarro. Sur la piste des conquistadors en français, en 1959, où Donald, ses neveux et l'oncle Picsou, en explorant un temple inca, doivent éviter une succession de pièges comme une volée de flèches, une lame à décapiter ou un tunnel envahi par un torrent. Dingue. 7. Quel nom de famille devait auparavant avoir Indiana Jones? Parce que c'était pas prévu qu'il s'appelle Indiana Jones, il devait s'appeler Indiana quelque chose. Et quel est ce quelque chose? Ta-ta-ta. Est-ce que c'est Jack? Est-ce que c'est Smith, Johnson ou Bronson? Hop. Alors, est-ce que je vais gagner ma game, moi? Ok, ça, je peux le taper. Je pense que c'est le moment où jamais de jouer Zira. Ok. Alors, est-ce que ça devait être Indiana Jack, Indiana Smith, Indiana Johnson ou Indiana Bronson? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Ok, ok, donc ça, je vais prendre tous les trucs. Par contre, je vais être emmerdé pour la... Bon, il faut que je rejoue, il sera derrière. Alors, tu as Genji Kidou qui nous dit Indiana Jack. Ok. Ok. Aïe. Donc là, j'ai plus un, ça fait 4. 4 en 7. Donc ça, c'est pas mal. Je peux aller faire ça. Into ça. Et là, je meurs on board. Ce qui est quand même emmerdant. Donc, il faut absolument que je fasse ça. Et je vais faire ça pour essayer d'aller chercher un létal au prochain tour. Non, il faut que j'attende. Parce que j'ai besoin d'une place sur le board pour jouer Zephyrus au prochain tour, voyez-vous. Donc si je fais ça, je suis pas sûr de pouvoir tuer plus un, ça fera 5-6. Je suis pas sûr de pouvoir tuer une de mes créatures, donc je vais attendre. Parce que j'ai besoin de tuer Izera. Ok, on va rester comme ça. Alors... Donc, il y a Jennifer qui a lancé 1, Jack, il y a Nizi qui a lancé 3, et Ophtalmo qui a lancé 4, si je ne m'abuse. Ok, donc la bonne réponse était... Ta-ta-ta-ta, était celle que vous n'avez pas choisie. C'était Smith. C'était pour reprendre le nom de Nevada Smith, qui était incarné par Steve McQueen, le mec qui a donné mon prénom. C'est pour ça que je m'appelle Steve. Dans le western du même nom. Donc, ce n'était point ce que vous avez dit. C'était Smith. Il devait être Indiana Smith, finalement. Ça s'est transformé en Indiana Jones. Je crois que je ne vais pas avoir le létal. J'ai pas 42, là. J'ai pas 42, ici. Du coup, il m'a laissé la place pour faire ça. Donc, je... Ah oui, mais il faut pas que je fasse puissance du fauve en premier. Je me demande. Faut que je fasse ça. Il faut qu'il me donne un truc bien. Alors ça. Et il faut que je fasse ça. Into ça. Et espérer que ça suffise. Et si ça suffit, bah, tant mieux. Et si ça suffit pas, bah, écoute, on aura quand même bien joué, je trouve. C'était génial. Génial. Celle-là, elle est idéale. Donc c'était Nevada Smith. Je suis pas mécontent de cette petite victoire. Question 8. On y arrive gentiment. Hop. À la question 10, on se fera un petit extrait. Quel Français
aurait pu incarner le méchant français René Bloch qu'on voit dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue? Est-ce que c'est Lino Ventura, Yves Montand, Jacques Dutronc ou Jean-Paul Belmondo? Ah ah, peut-être qu'il le saura, ça, ophtalmo. Nous allons voir. Je suis pas bien content d'avoir gagné ce game, j'y croyais pas trop, je vous avoue. Hop là. Allez. C'est reparti. On va encore essayer avec ça. Alors, quel est l'acteur français? Hop. J'essaie de mettre bien mon chapeau. Mais c'est pas facile. Dans un miroir. Il m'en vient ce chapeau de merde. Comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, super. Alors, nous avons Jennifer qui lance Jacques Dutronc. Ok. Agatha la vengeresse. Ophtalmo qui lance Jacques Dutronc. Attention, tout le monde est au taquet sur Jacques Dutronc. Et Nizi, qu'est-ce que tu nous dis? Ça ne s'est pas passé comme... Bleh. Tu sais pas, c'est au pif, ok. Au pif, j'aurais pas dit Jacques Dutronc, je t'avoue. Il fait quoi, lui? Transforme serviteur allié hein, qui coûte 1 à 3 cristaux de plus. Eh ben, putain, on n'a pas gagné avec ça. Okay. Nizi, on est avec toi, là. Qu'est-ce que tu nous tentes? Peut-être que tu as déjà répondu 3. Parce que je le vois juste le 100%. Mais je ne vois pas le... Attends, 1, 3... Attends. Là, tu as répondu ça. Ah, et tu réponds 3. Vous répondez tous Jacques Dutronc et je suis parfaitement étonné de ceci. Il fait quoi, lui? Un point de dégâts à tous les autres serviteurs. Ouais, bah écoute, on va le colère, ça. Parce que j'ai pas envie de me prendre 4 points par tour. C'était effectivement Jacques Dutronc, dis donc. Incroyable, mais vrai. Donc, nous avons Nizi qui marque un point. Nous avons Clams qui n'est plus là, malheureusement. Nous avons Génie G qui marque un point et Ophtalmo qui marque un point. Et donc, la petite histoire autour de ça, c'est que il a refusé la proposition parce qu'il ne maîtrisait pas assez bien la langue anglaise. Et donc, le rôle a été donné à un certain Paul Freeman. Hop là. Ah, celle-là, elle est marrante. Celle-là, elle est marrante. Donc, quel Ghostbuster apparaît dans Indiana Jones et le Temple Maudit? Est-ce que c'est Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ou Ernie Hudson? Je pense que je vais faire ça. Très bien. Tu es en pleine partie. Ah oui, mais attends, il faut pas faire des trucs comme ça. Voyons, voyons. Quand même des trucs importants dans la vie. Alors, tu lances 1, tu es sur Bill Murray. Bill Murray qui apparaît dans Indiana Jones 2. Ok. Jennifer aussi. C'est pas bon, il faut que je tue ça. Absolument que je tue ce merde. Avec ça, je peux pas. Avec ça, oui. Avec ça, oui. C'est obligé. Il faut absolument que je tue ça. Elle prend de nombreuses formes. Je vais lâcher une puissance du fauve ici. Qui me paraît plutôt bien. Et je vais aller chercher ça parce que si ça il évolue en Teddy, ça peut être cool. Ophtalmo qui lance 2 et tu seras heureux d'apprendre que c'était ça. C'était Dan Aykroyd. Dan Aykroyd qui a un tout petit rôle dans Indiana Jones 2. Il apparaît... Mais il faut qu'il arrête ça. Il apparaît au moment où ils sont à l'aéroport. Quand ils vont aller prendre l'avion qu'on a vu tout à l'heure. Mais il passe dans le champ. Voilà. Dans Necroyne, il est dans Indiana Jones 2, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, il fait une petite apparition. Le bonhomme qui a joué dans Un fauteuil pour deux, exactement. Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy, qui était drôlement sympa. Ce film, marrant. Donc, nous avons un point pour Ophtalmo, qui prend la tête. Ouh, on arrive à la question 10, ça veut dire qu'on va se lancer un petit extrait. Alors, je fais mon tour et on va se faire un petit extrait, je sais pas. Bah écoutez... Je pense que je vais Oasis cacher mon bestiau là. Gentiment. Hein. Et prochain tour, on va Innervation Isera ou Scénarius. Ok. Ouais, oui, il est marrant. Et il y a aussi Jamie Lee Curtis dedans. Qui est à moitié à poil et ce qui ne gâte rien. Alors. Hop.
Alors, encore une scène culte dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Hop là. Je vais vous mettre ça tout de suite. C'est parti. Le repas. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés au palais de Pangkok. Voilà ce qui me motive dans le cinéma, c'est clair. Ah ouais, moi, les femmes aux grossesses, ça me motive tout le temps. Hein. Vous m'éclairez sur quelques points de l'histoire encore mal connue du palais, sur l'importance de son rôle dans la grande mutinerie. Les Anglais, me semble-t-il, ne veulent pas oublier la grande mutinerie de 1857. En vérité, il existe une foule d'événements bien avant la mutinerie, des événements vieux de 2 siècles, datant de l'époque de Clive, qui sont plus intéressants. À quels événements faites-vous allusion, Dr. Jones ? Si ma mémoire est bonne, Excellence, cette région, enfin cette province, a été le centre de l'activité des étrangleurs Tug. Ah ! Du serpent ! Surprise ! Quelle est la surprise ? C'est génial. Vous savez parfaitement que la secte des Tug et leur culte n'existent plus depuis près d'un siècle. Oui, il faut le dire. Ce culte était une vraie monstruosité. Les Tug vénéraient Kali et lui sacrifiaient des êtres humains. L'armée de Sa Majesté leur a réglé leur compte. Les rumeurs ne s'éteignent pas vite. Elles prêtent encore des crimes aux Tug. Il n'y a plus Tug, plus aucun. Je n'en suis pas si sûr. Nous arrivons d'un très petit village. Les paysans là-bas nous ont dit que le palais de Pangkok allait retrouver sa puissance par l'entremise des vieilles forces du mal. Coméra Gérago, Dr. Jones. Rien d'autre. Superstition et folklore. Vous commencez à inquiéter le capitaine Blumber. Inquiéter? Non. Monsieur le ils ont intéressé. Ils ont intéressé. C'est pas mieux en VO. J'ai été élevé à la version française, donc pour ma part, non. Manger, ça ne vous dit rien? Non, j'ai assez avalé de couleuvres. Donne-moi ta casquette. Pourquoi? Je crois que je vais vomir. Savez-vous que les villageois disent que les gens du palais de Pangkok sont venus leur dérober quelque chose? Dr. Jones, dois-je vous rappeler que dans notre pays, il n'est pas coutume qu'un invité insulte son hôte? Je vous demande pardon. Je nous croyais en train de parler de folklore. Excusez-moi, vous n'avez rien de simple? De la soupe? Vous a-t-on dit au village ce qui avait été volé? Une pierre sacrée. Vous voyez, capitaine, un caillou. Il semble que quelque chose rattache la pierre de ce village à la légende des pierres sacrées de Sankara. Dr. Jones, nos oreilles aussi ont entendu des rumeurs perfides. Il me semble me rappeler qu'au Honduras, il y a à peine un an, vous avez été considéré comme un pilleur de tombes, non comme un archéologue. À vrai dire, c'était une affaire montée de toutes pièces par certains journaux. Oui, mais n'est-ce pas le sultan de Zanzibar qui a juré de vous faire couper la tête si jamais vous retourniez dans son île? Ce n'était pas ma tête. Je vois, c'était vos mains, n'est-ce pas? Non, 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 pas mes mains, c'était une erreur d'appréciation. C'est exactement la même chose ici, Dr. Jones. J'ai entendu parler des horreurs de la secte des Tug. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'histoires destinées à effrayer les enfants. Plus tard, j'ai appris que les Tug avaient vraiment existé et qu'ils avaient commis des crimes innommables. J'ai honte de ce qui est arrivé ici. Et je peux vous assurer que jamais cela ne se reproduira tant que je régnerai. Si j'ai offensé votre Altesse, j'en suis tout à fait désolé. Le dessert. Cervelle de singe en sorbet. Mmh.
C'était super. C'était super. Alors, on en était où un petit peu dans ce quiz ? On était à la question 9. Donc, allons-y pour la question 10. Attention, question 10, c'est tout à fait proche de la fin du quiz qui est à 15. Qui devait prendre le rôle féminin principal dans Indiana Jones 2 ? Le rôle de Willy qu'on a vu là. Tu crois que tu te souviendras toujours de cette scène ? C'est clair que c'est culte. Est-ce que c'est Pamela Anderson ? Est-ce que c'est Madonna ? Est-ce que c'est Kim Basinger ou Sharon Stone qui devait prendre le rôle de Willy que nous avons vu ? D'après vous. Alors, comment on est là ? Donc nous, on a dit qu'on faisait... Isera. Oui, oui, cette scène, elle est incroyable. Alors, on a 3 pour Jennifer. Il va falloir aller le chercher, ça. Je pense que je vais scénarius ici. Et que... après, je peux... je peux balayage face ici aussi. Hein. Scénarius est fort. Même si les dragons tentaient de s'interposer, c'est compliqué. Je crois qu'il faut... balayage. Je vais balayage face ici. Ok. Très bien. Donc, nous avons Nizi qui dit 4. Tu aurais tellement aimé la 4. Et Jennifer qui dit 3. Et Othalmo, alors, je vais vous dire. Qui devait jouer ce rôle-là ? Eh bien, effectivement, c'était Sharon Stone qui devait jouer ça. Mais c'est finalement Kate Capshaw qui fut choisie et qui deviendra 7 ans plus tard Madame Steven Spielberg. Incroyable, mais vrai. Et donc, nous avons Nizi et Othalmo qui marquent un point. Nizi, tu reviens en hauteur de Jennifer. Hop là. Effectivement, ça aurait été pas mal d'avoir... hop là. D'avoir notre ami Sharon Stone. Alors, prochaine question. Walter Donovan, le méchant dans Indiana Jones 3, a incarné un personnage dans une série culte. Lequel ? Hop, Walter Donovan, celui qui, à la fin, a bien mal choisi le Graal. Et donc, est-ce qu'il a joué dans... Est-ce qu'il a joué plutôt le rôle de grand maître Picel dans Game of Thrones, John Locke dans Lost, le prisonnier dans Le Prisonnier, ou Richard Kimball dans Le Fugitif ? Un autre homme au chapeau. Hey, salut Sirius, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, dit Locke. Comment ça va ? Tu peux jouer. Il faut taper 1, 2, 3 ou 4, si tu connais ou pas la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Bah ça, on va le chercher, ça. Je me demande. On va faire ça, là. On va faire ça gentiment. Profaner des terres ancestrales, bien entendu. Bah écoute, on va faire ça comme ça. Bim ! Mange. Alors... D'après vous, est-ce que ce Walter Donovan là, il a joué Grand Maître Picel dans Game of Thrones, John Locke dans Lost, Le Prisonnier dans Le Prisonnier, ou Richard Gimble dans Le Fugitif ? Alors si tu dis la réponse D, c'est il faut appuyer sur 4. Ok, nous avons... Alors ça ? 8, 5 et de 7... Je peux mettre ça et ça dedans et refaire un scénarius. C'est pas complètement dégueulasse. Et si je mets ces deux trucs là, ça me débarrasse. Ça débarrasse un peu la place. Hop. Parce que de toute façon, je vais avoir. Voilà. Ce floup là, il va être intéressant que pour scénarius. Il est déjà mort le mec ou pas ? Il est déjà mort. Alors, nous avons un ophtalmo qui nous dit 3. Le prisonnier, Nizi également, Jennifer et Sirius qui disent 2. Eh bien, pas du tout. Je suis très triste pour vous, car c'est Grand Maître Picel dans Game of Thrones. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, c'est le méchant Walter Donovan, dis donc. Et c'est assez rigolo, parce que Grand Maître Picel, c'est quand même un personnage assez, assez intéressant dans la série. Personne ne marque. Personne ne marque. Hop. T'as pas vu Game of Thrones ? Oh là là, Talmo, il faut le voir ça. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Alors, Indiana Jones 3,
compte pas moins de 6 acteurs d'une autre saga cinématographique. Donc Indiana Jones et la dernière croisade. Dans ce film-là, il y a 6 acteurs en même temps qui ont participé tous à une autre saga cinématographique. Laquelle ? James Bond, Star Wars, Retour vers le futur ou Police Academy ? Ah ah ! Bonne question, je sais. Hop là. Et on gagne ce soir là, c'est cool ça. C'est très cool. Donc, hop là, allez, on attaque le troisième. C'est parti, il y a encore beaucoup après là. Eh ouais, putain, c'est relou. Ben c'est bien comme ça, quand on est dans Cinerstone, ça me permet d'avancer dans ce truc-là. Au bout, il y a quand même un dos de carte, hein, qui est dégueulasse, en plus il est pas beau. Mais bon, toujours pas mal. Si Mbappé, il marque et pas qu'un peu. Ah quoi, quoi ? Si Mbappé, il marque et pas qu'un peu ? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi, là ? Ah oui, j'ai pas fait ça, pardon. Donc, est-ce que c'est James Bond, Star Wars, Retour à le futur ou Police Academy ? 6 acteurs d'Indiana Jones 3 qui proviennent d'une autre saga cinématographique. Laquelle ? Je ne peux pas afficher les choix. Mais oui, je suis un ladre. Quatre pour le côté rigolade. Police Academy, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous apprendrons d'ailleurs dans le prochain épisode de Cinerstone, que j'ai commencé à préparer aujourd'hui, que Christopher Lee joue dans Police Academy 7. Étonnant. Christopher Lee qui n'est autre que, entre autres, Saruman. Ah. Il joue ça, lui. Okay. On a un 3 ici, Retour à le futur pour Nizi. On a un pour Génie G avec James Bond. Et je crois que vous avez tous joué. Je crois que vous avez tous joué. Et donc, je me demande si je devrais pas décaler un peu le chat ici. Je vais voir si je peux pas le mettre à un autre endroit. Bougez pas. On va tenter des trucs là. Parce que sinon, vous voyez pas bien. Et moi, j'aime bien quand vous voyez bien. Donc ça, je pourrais le mettre là-haut, par exemple, même si c'est plus petit. Hop. Genre, par là. Par là. Genre par là. Pas mal ça. Ok. Et je prends le chat. Où es-tu, chat? Hop. Et ce chat, je le déplacerai plutôt par là. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir sans problème ce qui est écrit. Et donc, je vais même vous donner la réponse. Si on va faire ça, là. Il a l'air aggro, lui. Hein. Je pense que c'est peut-être bien pour moi. Alors, la réponse à la question, alors que c'est l'heure du coucou, eh bien, c'est bien dans James Bond. Nous avons une incarnation de James Bond lui-même, qui est Sean Connery, un allié de James Bond qui est John Rhys Davies, alias Salah, une James Bond girl qui est Alison Doody, et 3 méchants de la saga. De la saga James Bond, à savoir Julian Glover, je sais pas qui c'est, Stéphane Capilla et Pat Roach. Donc, c'est le compte de coups. C'est donc Jennifer qui marque un point, dis donc. Jennifer, pas mal ça. Tu es à un point d'ophtalmo. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Hop là, il reste 3 questions, donc c'est vraiment tout à fait faisable. Alors, ça va être pas mal. Ça rejoint une des questions qu'on a eues tout à l'heure. Hop. Hop là. Sur le tournage des aventuriers de l'Arche perdue, hop, tout le staff a attrapé la tourista sauf Steven Spielberg. Pourquoi ? Il avait déjà vécu en Tunisie, sa femme est tunisienne, donc il mange souvent de la cuisine locale, enfin de la cuisine tunisienne qu'il aura pu manger là-bas. Il a un système digestif en béton, ou il ne mangeait que des conserves importées de UK. Hop là. Tu as mis un également, ophtalmo ? Ah, tu as mis un également, d'accord, d'accord. Eh bien, je te mets ton point, parce que tu le mérites. Alors, nous avons ophtalmo qui dit 4, qu'il faisait importer directement des conserves de UK, pourquoi pas. Alors, il se dit quoi ici ? Comment il a fait ça, lui ? Ah bah oui, il fait le mort, effectivement, oui. Ok.
On va faire ça, nous. Je t'ai donné ton point. Il a un système digestif en béton, nous dit Nizi. Génigé, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il a encore fait ça, lui? Comment il a fait? Déclenche tous les garrots de l'agonie. Ouais, putain, c'est pas gagné, ça. On va prendre cher, là. Et Génigé qui nous dit 4 également. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça. Le mec, il faisait importer des conserves de UK. Il voulait pas bouffer le truc local. Et donc, bah, du coup, ça a été le seul à pas attraper la mort. Donc voilà. Nous avons un point pour Sirius, un point pour Ophtalmo et un point pour Jennifer. Hop, hop. Sirius. Un. Très bien. On arrive à l'avant-dernière question. Avant-dernière question, les amis. Si c'est pas triste, c'est ça. Hop là. Qui a fait partie des scénaristes de la série Les Aventuriers du jeune Indiana Jones? Hop. Alors, c'est assez rigolo, vous allez voir. Est-ce que c'est Mark Hamill, que vous connaissez, qui joue Luke Skywalker? Est-ce que c'est Stephen King, que vous connaissez, puisque c'est un très grand écrivain de fantastique, horreur? Carrie Fisher, qui joue notre amie la princesse Leia? Et, comment ça? 4 pommes. Oh, GDG, il l'a dit. Okay. Et, ou alors Dan Brown, qui a écrit notamment le Da Vinci Code. JDG, il l'a dit. Je sais pas si c'est, qui c'est JDG, mais bon. Mais tu te rappelles plus. C'est un merdant. Donc, c'est parti. Est-ce que c'est Mark Hamill, Stephen King, Carrie Fisher ou Dan Brown qui a été scénariste de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones? Je sais pas ce qui s'est passé avec le board en face, là, mais ça a totalement dégénéré. Hein. Que faire ? Sirius qui lance 4 avec Dan Brown. D'ailleurs, c'est bizarre, ça n'a pas été pris en compte. JDG, c'est le joueur du grenier, d'accord. Okay, d'accord. GNG qui lance 3, Carrie Fisher. Ophtalmo qui lance 1, Mark Hamill. Ça m'a pas mis. Réessaye le 4, Sirius, s'il te plaît. Nizi qui dit 4. Je suis en train de me faire défoncer pendant que vous, vous rigolez. Mais violemment. En termes de violence, on est plutôt, plutôt puissant, là. Ok, je vais lâcher ça. Et ça. Pff, qu'est-ce que je vais faire avec ça? 4, 6, 10. J'ai perdu, de toute façon, je pense. J'ai l'impression que... Oh là là là. 4, 3, 7, 10. Oh là là, j'ai perdu. C'est la perte, c'est la défaite. Alors. Donc, nous avons plusieurs Dan Brown, un Mark Hamill et une Carrie Fisher pour Génigé. Génigé, tu seras contente d'apprendre que c'est bien Carrie Fisher qui a fait partie des scénaristes de la série Les Jeunes, Les Aventures du jeune Indiana Jones. Tu marques un point. Et si tu marques sur la dernière question et que Ophtalmo ne marque pas, à ce moment-là, tu auras égalisé. Tu seras également numéro 1 du quiz de ce soir. Et ça, ça n'a pas de prix. Dernière question. Accrochez-vous à vos baskets si vous en avez. Combien de voix françaises Indiana Jones adulte a-t-il eu dans les films? Est-ce que c'est une voix, deux voix, trois voix ou quatre voix différentes? Là, tu dois tryhard, ouais, c'est clair. Hop. Donc, Ophtalmo, il faut que tu joues avant Jennifer. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu mets pareil que Jennifer et tu ne perds pas. Sirius, il balance 3. Hop. GNIG qui lance 2. Maintenant, tu peux voter, Ophtalmo. Ah ben non, mais merde, c'était le contraire, c'était Jennifer, tu devais attendre qu'Ophtalmo il ait dit un truc. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va pas tricher, c'est pas le genre de la maison. Il a répondu avant, c'est pas grave. Bah écoute, tu es forfait pour... tu es forfait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas répondu assez vite. Tu réponds 4 alors, t'es sûr? Non, non, réponds ce que tu veux, on sait que tu... que si tu voulais répondre comme elle, c'est pas grave.
En tout cas, elle a fait faux. Donc, si c'est deux, tu réclames jurisprudence. Okay. Donc, eh bien, c'est Sirius qui a marqué le point ici. Parce que c'est bien trois voix différentes. Trois voix différentes sur quatre films. Nous avons le dans le premier film, c'était Claude Giraud, que je ne connais pas, qui a fait la voix d'Indiana Jones. Ensuite, c'était Francis Lax, qu'on a entendu tout à l'heure dans le numéro 2. Et après, dans le 3 et 4, c'est Richard Darbois. Tu gagnes seul ton point, exactement. Et c'est beau. C'est plutôt savoureux. Ici, on va faire ça. J'ai bien l'impression qu'il faut aller chercher cette merde. C'est triste, mais il faut aller le chercher. Et donc voilà, nous avons du coup dernier, parce qu'il est arrivé après Sirius avec 2 points. Nous avons Nizi à 3 points. Ah, c'était bien parti, parce qu'il avait marqué le premier point, mais après, oh, ça s'est un peu écroulé. Et ensuite, 4, qu'est-ce que je fais avec 4 je suis obligé de faire, je pense que je vais faire ça ici. Oh là là, quelle tristesse, il me met que des œufs, putain. Je vais m'en prendre plein ma tétasse. J'ai gagné, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas de gagnant. Et donc Jennifer, 6 points et numéro 2, et Ophtalmo gagne encore une fois le quiz. Bravo Ophtalmo, très fort, très très fort. Et vous aurez droit du coup à un dernier extrait. Après cette game que je vais perdre dans pas longtemps, je vais faire ça pour piocher un peu plus. Non, je pense qu'il vaut mieux faire ça là. Il vaut mieux faire ça. Je pense que je vais faire ça. Into ça. Into ça. On va voir. Bravo. Bravo, Ophtalmo. Très, très fort. Très, très fort. Je vous mettrai un petit extrait après cette game. Si vous voulez. Parce que normalement, elle va être rapide. Non, mais très, très fort, c'est clair. Non, mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? Ah, putain. En plus, il avait nécromécanicienne. Oh, putain, mais il est impossible à passer ce deck, là. Comment tu veux faire? Nourrir, c'est nul. Donc là, je meurs on board, on est bien d'accord. Donc je vais être obligé de faire Oasis caché. Oasis craché. Si je fais ça, c'est pas suffisant. Oasis craché, vas-y. J'étais tout soufflé à MP. Bah, vu que tu es arrivé une demi-heure après la bataille, c'était un peu compliqué de faire croire à ça. Ok. Ok. D'accord. Météore. Ouais. Voilà. On a perdu, hein. C'est pas grave. Du coup, on va se passer le dernier extrait, les amis. Indiana Jones et la dernière croisade. Hop. Attention. C'est parti. Ah ben c'est lui, Maître Picelle. Vous pouvez le reconnaître pour ceux qui ont vu. Qui ont vu la série. La vie éternelle. Faisons table rase des échecs passés. Qu'est-ce qu'il dit lui, ta gueule? Je vous concède la vie. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Hop là, c'est le décès. Il a choisi bien mal. Après, je vous raconterai un petit truc sympa sur le Graal. Elle met trop bien le porcelet, pas faux. Il ne devrait pas être en or. C'est la coupe d'un charpentier. Voilà un enfant traumatisé.
l'a choisi judicieusement. Mais le Graal ne doit pas franchir la dalle. Un peu, c'est vrai, Jennifer. Telle est la limite. Et le prix de l'immortalité. C'était cool. Allez, je vous dis un mot sur le Graal. Donc là, ils nous disent, ils sont gentils chez Hollywood, hein, que c'est la coupe d'un charpentier, donc ça doit être en bois, un truc de merde, quoi, un truc de clochard. Tu peux ramener ta science ? Vas-y, ophtalmo. Vas-y, j'attends pour voir si c'est la même chose que moi, il vaut mieux que ce soit toi qui le dise. Nous t'écoutons. Enfin, nous te lisons, nous t'espérons. D'ailleurs, espérer... Vas-y. Peut-être que c'est pas la même chose. Non, vas-y, je t'en prie. Peut-être qu'on n'a pas la même source en plus. Mais c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et en plus, je crois être le seul à le connaître. Donc si tu l'as aussi, ça me fait plaisir. D'autant. Et on va même ouvrir le paquet après. Allez, vas-y, ophtalmo, on est avec toi. Dis-nous tout. Dis-nous ton anecdote. Harrison Ford était charpentier. Très bien. C'est vrai que c'était cool, j'étais juste venu proposer une question, au final j'ai passé un bon moment. Oui, alors ça c'est la bonne anecdote, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Effectivement, Harrison Ford, avant d'être acteur, il était charpentier. Donc c'est la coupe d'un charpentier, c'est assez rigolo. Étant donné que Joseph de Marie-Joseph, était charpentier. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le Graal, d'accord, le Graal, ce n'est pas la coupe d'un charpentier comme ça. Lucifer, vous connaissez Lucifer, je pense, d'accord ? Ben Lucifer, avant, il était au paradis, ce brave homme. C'était un archange, d'accord ? Un archange. Et il était au paradis. Et à un moment, il a été déchu. Et il faut savoir quelque chose, c'est que Lucifer, il portait au front une émeraude très pure, d'accord ? Et quand il est du coup parti en enfer, l'émeraude était trop pure et bim, elle est tombée de son front. Et elle a été ramassée et c'est dans l'émeraude, cette émeraude-là, qu'a été taillé le Graal. Lucifer, celui qui porte la lumière. Exactement, ophtalmo. Je te mets un point d'estime. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que maintenant, tu es à 1. Donc oui, le Graal a été taillé dans l'émeraude qui est tombée du front de Lucifer. Donc, techniquement, il est un émeraude, normalement. Mais ça, personne ne le sait. Et c'est compliqué à expliquer dans un film hollywoodien. Voilà, je vous laisse avec ça. Je pense que ça, vous ne le retrouverez pas dans notre stream Hearthstone, normalement. Et pour vous faire plaisir, je vais ouvrir ce paquet. Parce que je pense qu'avec cette belle émission, on est en droit d'obtenir une légendaire. Je vais juste, hop là, ouvrir mon fichier de statistiques. Vous savez que moi, je garde les stats de mes ouvertures. Nous sommes le 6 mars et c'est parti pour l'ouverture. Attention, j'ai pas dit 10 francs, j'ai pas dit 20 francs, mais c'est l'heure de la légendaire. Oupla, c'est pas là, légendaire bleue déjà. Bim, et voilà, une légendaire bleue et une commune dorée. Ça, c'est toujours cool. Nous voici donc avec 85 poussières. Bim, et je suis content, Nizi, que tu es. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, c'est ça. Merde, ça, c'est du coup ça a tout caché. Je suis content, Nizi, que tu sois venu et que tu aies aimé ce que tu as vu, parce que moi je me suis bien régalé également. Sacrée anecdote. J'ai lu un truc qui s'appelle Le cycle du Graal. D'ailleurs, je le regarde là parce que c'est sur mon étagère, dans ma bibliothèque, de Jean Marcal. Jean Marcal, et on apprend beaucoup de trucs sur le Graal et Arthur et tous ses amis. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut Sirius, salut à tout le monde. Je vous fais juste un point après ce superbe booster sur le calendrier, parce que le calendrier, c'est cool. Nous allons ici. Hop, nous allons là. On est où ? On est jeudi. Donc demain, nous aurons Maxence à 19h. Pour Over the Top, il va essayer de monter les jambes rapidement. Ce que je le vois ici tout à l'heure, il était rang 4, mais je ne doute pas qu'il va bientôt me rattraper. Je suis presque rang 2. Ou rang 2, je ne sais plus. Non, presque rang 2. Ensuite, il y aura Mars dans Chez l'ami Bob. Donc, ça va être du Battlegrounds à partir de 21h. Mars, joueur suisse de Valley Sport. Samedi, à partir de 18h, nous aurons
Pardon, Kimberley 402 dans Over the Top, parce qu'il est là. Non, il n'est pas là. Donc Kimberley 402 qui va nous faire une grande session Over the Top pour précéder l'émission Bienvenue au Club, dédiée au Club de Maxonaut, qui sera streamée par Pinouche à partir de 21h samedi. Merci d'avoir été là. Pour ma part, je vous retrouve lundi soir pour les demi-finales de la Max Open Cup 4. Je peux déjà vous donner... hop, bougez pas, c'est pas là. Je peux déjà vous donner les matchs, ben je les connais, ce sera Totoche contre Sparaboule, Totoche de AFK, non pas AFK, AFX, je ne me rappelle plus comment c'est ton équipe ophtalmo, AFX je crois, et qui jouera contre Sparaboule de Synepsie, et l'autre match sera Logique de Oplon contre le Croate Regvam, qui est donc est arrivé jusqu'en demi-finale, et donc ça va être très très cool, et un de ces quatre joueurs, Athletics, merci beaucoup, je n'avais pas le nom en complet, l'un de ces quatre joueurs sera dans la Max League 3, et la Max League 3, vous n'êtes pas prêts, mais oh là là, oh, ça va être dingue. Je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt. Donc pour moi, ça va être lundi soir. Il y aura une session de Up mardi soir et sans doute Cinerstone mercredi soir. Soyez là, je vous ai préparé quelque chose de bien avec un autre film sympa. Salut!